Jean-Baptiste baptisé, quand il l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Et vous dites que l'esprit, le ciel s'est ouvert et la colombe, l'esprit est descendu comme une colombe pour s'imposer en Jésus. Est-ce que c'est la vérité? Ça, c'est notre triangle. Mais vous dites que quand Jésus est devenu dans le Fils, au ciel, il n'y avait rien. Amen. Toute l'éternité était sur la terre. Amen. Oui, amen. Amen. Et le Fils, c'est quoi? Jésus disait qu'il m'a vu, a vu le Père. Donc le Père est devenu le Fils. Oui, amen. Amen. Mais après la résurrection, là je mets la base, il a dit que je vous enverrai mon esprit. Le Saint-Esprit viendra. Oui, amen. Et le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte. Il faut dire que c'était la colonne de feu Jésus-Christ pour porter l'esprit. Amen. Dans les croyants. Amen. Voici les trois triangles de Dieu. Et là, nous parlons des trois royaumes. Amen. Les gens ont refusé Samuel. Ils ont dit, nous ne voulons plus les prophètes, mais nous voulons un roi. N'est-ce pas? Et ne compte pas sur ta propre force. Compte sur la force de Dieu. Amen. Ça, il avait l'armée. Il avait des militaires. Alors, le Dieu est venu là-bas. Il avait presque 3 mètres. Goliath. Comme dit que ce qu'il portait, c'est pesait au moins 60 kilos, ce qu'il portait sur lui. 60 kilos. Et il a dit que aujourd'hui, donc, si nous on vous gagne, comme je l'ai dit ici, si vous vous gagnez, vous devenez nos esclaves, vous commencez à travailler pour nous. Ça y est, tout le monde a commencé à fuir. Enfin, on dit que, de la ville d'abord, dit que, en ce moment-là, Isaïe Jésus avait envoyé David pour aller voir comment ses frères se comportaient, parce que ses frères étaient des militaires à côté de Saül. Il a dit, va un peu, va voir comment tes frères se portent. Et quand ils sont partis là-bas, oh mes chers amis, il a trouvé ce défi-là, ce défi qui était lancé. Alors, David a dit, qu'est-ce qui arrivera à celui qui va tuer Goliath? On lui a dit que celui qui va tuer Goliath va se marier à la fille du roi. Donc il va se marier à la femme de Saül. Le petit, le grand frère de David est venu, il a dit, ça c'est la Bible, il a dit à David, petit, tu es orgueilleux. Toi tu viens faire quoi ici? Toi tu penses que tu peux gagner ces géants? Ce matin, j'ai venu dans la situation, frère, on dit que le découragement vous quitte. Ne soyez jamais découragé. Amen. Parce que vous avez une révélation sur quelque chose. Alléluia. Amen. Ne soyez jamais découragé. Amen. Soyez en force. Amen. Amen. D'essayer de les décourager. Ce matin, j'ai un message d'encouragement. Amen. Que tu es au bon endroit. Amen. Que tu as choisi un bon message. Amen. Que tu as choisi un bon sauveur. Amen. Ne te décourage jamais. Amen. Est-ce que vous voulez t'amener à cela? Amen. Mais David connaissait en qui il croyait. Alléluia. Amen. Tu dois connaître en qui tu crois ce matin. Tu crois dans quelqu'un qui n'a jamais perdu de combat. Tu crois dans quelqu'un qui a vaincu le séjour des morts et les morts. Tu crois dans quelqu'un qui est ressuscité. Amen. Tu crois dans quelqu'un qui n'a jamais perdu une bataille. Amen. Amen. Tu crois dans un Dieu éternel. Amen. Amen. Quand David est venu, un petit là, même tout le monde, même les rois. Frère, il y a des choses, même ta famille a peur. Même ton père a peur, mais tu lui dis, papa, je sais en qui je crois. Amen. Il y aura la solution. Amen. Le Dieu de Branham qui est encore vivant. Amen. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Amen. Alléluia. Quelque chose. Lorsque j'étais dans la bergerie là-bas, quand j'étais en train de peindre les troupeaux de mon père, il y avait un animal, un ours qui était venu pour attaquer les animaux. Et je l'ai tué. Les gens ont dit, ah, tu l'avais tué? Il n'y a pas seulement l'ours. Mais il y avait aussi un lion qui avait attaqué les troupeaux. Je l'ai tué. Amen. Il a dit, sur base de ces deux expériences, je vais encore couper la tête de ces Goliaths. Amen. 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 Que Goliath était enterré dans beaucoup de guerres. Il a fait ce quelqu'un vraiment, mais que ce matin que tu n'aies pas perdu ton ennemi. Amen. Amen. Même la petite foi que tu as, même que la petite foi que tu as là, ça fait trembler l'enfer. Amen. Même la seulement que tu dis là, ça fait trembler l'ennemi. Amen. Tu vas trembler jusqu'à ce qu'il lâche ce qui t'a ravi. Amen. Mais ce matin, nous voulons secouer l'enfer et les diables pour qu'il lâche ce qui nous a ravi. Amen. Est-ce que vous êtes en train de faire? Et David s'est dit que toi, tu t'avances devant moi au nom des études, au nom de l'expérience charnelle, au nom des armées de ce monde. Mais moi, je m'avance avec toi. Amen.
Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et ta merci. Amen. Je m'avance à toi selon la révélation de mon jour. Amen. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il m'avait aidé à tuer l'ours, s'il m'avait aidé à tuer les lions, quel est-il mon lien devant les yeux d'Israël? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire la même chose? Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant l'onction du temps de la fin? Amen. Devant le message du temps de la fin? Amen. Tu seras aplati. Homme de presque 20 ans, il marchait comme ça. Homme de quand vous pensez que le message est le message. Amen. Semble être vaincu. Amen. Alors, oui, en délance. Amen. Il marchait comme ça, presque mort. Amen. Amen. Les gens disaient que tu es sauvé. Sauve-toi toi-même. Oh, alors qu'il pensait que c'était fini. Oh, c'était pour nous donner la victoire. Amen. C'est pourquoi David veut dire les chéris de Dieu. Amen. Les bien-aimés de Dieu. Amen. Et ce matin, l'épouse est la bien-aimée de Dieu. Amen. Et Dieu la donne la victoire. Amen. Il t'a fait la Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu es guéri à ton jardin. Amen. 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 Parce que nous, il y avait beaucoup de semences qui nous ont été données. Amen. Et dans ces 4 millions de semences, 3 sont tuées. Amen. Tu es un miracle. Amen. Parce que Dieu va t'amener ici au hasard. Amen. Comme que Dieu connaissait les avis qui t'allaient porter aujourd'hui. Amen. Comme la colère. Amen. C'est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprès, Dieu réel de nous aider. Amen. Alléluia. Amen. Si ton frère a fait pour moi gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur, toi tu gagnes seulement 2. Mais c'est ce que Dieu a pourvu. Amen. Si tu as dit à ton je ne sais pas, une soirée de l'église, l'autre lui a donné une dame de l'église, c'est ce que Dieu a pourvu. Amen. Pourquoi tu es jaloux de l'église de l'autre? Amen. Reste tranquille à ta place. Amen. La bénédiction de ta foi que Dieu n'a pas oublié, n'a pas oublié. Tu as aussi ta propre bénédiction selon la mesure que Dieu t'avait prêtée. Amen. Amen. On a envoyé le prophète Esaïe, il va dire à ses rois qu'il va mourir. Il se prépare. Lui a dit Seigneur, je ne suis pas prêt à mourir. Donne-moi encore quelques années. Je veux encore vivre. Mais Dieu avait dit qu'il meurt, mais comme c'est son père. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, tu peux dialoguer avec ton père. Amen. Tu peux avoir les fellowships, les fellowships. C'est pourquoi prier, ce n'est pas vraiment prier, c'est parler à Dieu. Amen. Cette conversation-là, tu peux dire, Seigneur, ce que tu m'as donné ici, je l'accepte et je te demande encore plus. Amen. Amen. Et tu as dit, oh, cet enfant a demandé encore le tout. Il a dit, et ça, Dieu revient toujours au prophète. Mm. Il n'a pas parlé directement. C'est ça le problème. Mm. Dieu mm. revient toujours à son prophète. Amen. Dieu reviendra toujours à son prophète. Mm. Esaïe va lui dire que Dieu écoutait ses plaies. Amen. Toi, tu n'as jamais pleuré devant le Seigneur. Mm. Quand Esaïe mourait, le mausolée il a dit. Mais le roi a pleuré. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas mourir. Donne-moi encore quelques années. Et j'ai écouté les sons, les cris. Va lui dire que je lui ajoute encore 15 ans. Amen. Ça, c'était même sous les sangs de vous que les hommes. Amen. Quand est Dieu après les calvaires, après de son sang, comme que Dieu n'accepte que son sang. Amen. Dites Amen. Amen. Mais comme que si Dieu veut nous regarder, il nous regarde à travers les sangs. Amen. Parce que s'il envoie les sangs, personne ne peut qualifier. Amen. C'est son sang qui a qualifié à notre place. Amen. Amen. Qualifier for us. Amen. Est-ce qu'on dit Amen à cela? Amen. Shalom. Et il est le Jéhovah, je le promets de pour moi tout. Amen. Comme que si les oiseaux et les cerfs me permettent de prendre. Amen. Comme que il se souvient de Dieu, il ne se souvient de pas de qui de toi créer ce visage. Amen. Glory. Amen. Applaudissez pour Jésus. Amen. Amen. David a promis sa nationalité. Oh, il y a un abandon qui est
David a abandonné Jésus à Jérusalem. David marcha contre les Philistins et s'est battu avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite. Donc on a stress, on a minimisé, mais malgré ça, il fait des dégâts dans les camps de l'ennemi. Et il s'enfuit devant lui. Donc la Philistin a tué. Alors les mauvais esprits de l'Éternel fit sur Saül, qui était assis, dans sa maison, sa lance à la main. David jouait. David a joué. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Ma victoire est dans le sang. Alléluia. Il est chanté, ma victoire est par moi. Hein? Dans le sang. Ça veut dire que David a joué ma victoire. Donc, tous les chants que David chantait. Vers la maison de David, après vous bloquez la main. Pour les garder et les faire mourir au matin. Ici, c'est que je voudrais les tuer physiquement David. Juste parce que lui a remporté. Tu peux t'imaginer le niveau de du cœur humain. Quelqu'un qui peut même vouloir ta mort physique. Ce que tu as dit, au couvre ma canetine à mort. À ce moment-là, c'est aussi mort. La femme qui la jalousie amène la haine. Dès que tu as été au niveau de la haine, c'est la mort. Un jour, l'homme dit que l'homme disait, dis une pure jalousie. Dis-le, il n'y a pas de pure jalousie. La jalousie est sale, c'est une saleté. C'est une mauvaise chose. Il n'y a pas de pure jalousie. Oh, jalousie, quand il y a bien. Jalousie, il y a bien. C'est notre frère. Amen. Là, Saül envoyait les gens vers la maison de David pour les garder et les faire mourir au matin. Parce que je ne lis pas, moi je ne lis pas la Bible et les messages rapides, moi je lis vraiment doucement. C'est ma façon de prêcher pour qu'ils puissent rentrer. Amen. Amen. Écoutez, quand les gens sont venus dans la maison de David, mais Michal, femme de David, moi c'est pas à cause sauver aux vies. Qu'est-ce que la femme peut faire? La femme aussi peut te sauver la vie. Amen. Dis ta main. Amen. Si la femme voulait qu'il meure, David allait mourir. Parce que souvent, quand les hommes sont au top là, donc on va savoir la femme pour rien. Non, elle peut aussi te sauver la vie. Écoutez, la femme de David l'a informé et puis c'est David. Parce que la Michal était la fille du roi Saül. Vous comprenez? Tu peux t'imaginer? Donc, Saül veut tuer son gendre. Vous comprenez? Alia Bomane Bokilo. David s'est marié là-bas. Donc le problème c'est que quand il a tué Goliath, la récompense était qu'il prenne la femme. Même la femme qu'il voulait prendre là, on lui a ravi, on lui a changé, on lui a donné une autre. Lui n'a pas refusé, il a pris la femme. Mais pour dire maman caca. Dans la famille. Ça c'est dans la famille. Ces combats ici, nous les voyons dans la famille. Dans la famille Branham. Les combats bibliques. Branham se bat derrière la maison. Amen. Mais Awa, c'est-à-dire que tous les pays informés et les Philistins ont compris que ces gens ici sont divisés. Alors attaquons-les. C'est pourquoi David commence à se cacher. Et en tout temps, les ennemis, vous voyez, chaque fois qu'on se bat, l'ennemi nous attaque. Amen. Et il prend des terres. Amen. Thank you.
oyo lonaki Yesu akotuna yo okobuka oyo lonaki Yesu akotuna yo pesa nyonso na Yesu yebo moyo na yo ya seku pesa nyonso na Yesu Okobuka oyo lonaki Yesu akotuna yo pesa nyonso na Yesu yebo moyo na yo ya seku pesa nyonso na Yesu yebo moyo na yo ya seku kolonda ngai Yesu Memeli yo lelo, mikumba nanga inyoso Pona yebieto zali na bombo, kolo salisa Pona yebieto zali na bombo, yawe salisa Mikolo sunganga yo, na mipesina yo Mikolo sunganga yo, na mipesina yo Mokilio, etungisinga, mpasi ya mokilio.